C'est un livre qui entend récapituler comment les humains ont modifié leur environnement et comment l'environnement nous a modifiés en retour. Il s'agit, ni plus ni moins, d'explorer nos relations et pourquoi nous en sommes arrivés où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, pourquoi nous sommes bipèdes, pourquoi nous sommes omnivores, ce qui s'explique par une très lointaine histoire en Afrique, mais aussi pourquoi aujourd'hui nous devenons plus gros, nos enfants atteignent leur maturité sexuelle de plus en plus tôt, parce que nous sommes modifiés par un environnement que nous avons nous-mêmes modifié. Alors il a fallu mener une sorte d'enquête qui nous a ramenés au tout début de l'humanité, il y a 3 millions d'années, sans réponse à un changement climatique, que les humains ont dû s'adapter à la savane, sont devenus bipèdes, omnivores, et ont commencé à utiliser des outils. Ensuite, il y a peut-être 500 000 ans, au plus tard 120 000 ans, ils ont commencé à s'organiser de façon de plus en plus approfondie, coercitive, et ils ont impacté de plus en plus leur milieu, et on commence à le deviner lentement à travers les études archéologiques aujourd'hui. Nous savons que nos ancêtres, même s'ils étaient faiblement outillés, parce qu'ils étaient dans des sociétés où l'on parlait, où l'on avait des messages complexes, des stratégies, où on maîtrisait le feu, ils ont réussi à bouleverser les biotopes planétaires. Par exemple, dans certains continents où ils sont arrivés très récemment, comme les Amériques ou l'Australie, ils ont littéralement effacé tous les animaux qui pesaient plus d'un certain poids, ce qu'on appelle la mégafaune. Ils ont changé l'équilibre biologique du monde, ce qui a parfois entraîné jusqu'à des changements climatiques locaux. En Australie, par exemple, le continent s'aridifie à l'arrivée de l'homme parce que ceci massacre les grands animaux et donc dérégule ce qui permettait au couvert végétal de se régénérer. Et les incendies vont dévorer progressivement l'Australie. Voilà, donc l'arrivée de l'homme en Australie amène la désertification d'un continent entier. C'était il y a 50 000 ans. Ils n'étaient pas très nombreux, mais leur seule présence a suffi à déstabiliser un milieu entier. Alors, les leçons qu'on peut en tirer aussi sont importantes. C'est que pourquoi est-ce que nous avons une telle efficacité sur notre milieu? C'est parce que nous avons deux facettes en nous qui sont le produit de notre histoire évolutive. La première, c'est que nous sommes un hyperprédateur. Nous n'étions pas préparés à ce rôle. En devenant bipèdes, en devenant omnivores, en tuant des animaux, en fabriquant des outils pour hacher la viande afin de l'ingérer, nous avons réussi à avoir une petite mâchoire avec des tout petits crocs, mais à être en même temps carnivores, ce qui nous a permis, incidemment, d'avoir un gros cerveau. Mais surtout, avec nos outils, nous étions capables de repousser les animaux, de les tuer. Avec l'apparition du langage, nous avons été capables de coopérer pour les tuer. Et nous sommes donc devenus un hyper-prédateur. Aujourd'hui, nous en sommes au point où nous décidons de quelles espèces animales survivent et lesquelles ne survivent pas. Nous choisissons de sauver les éléphants, et il y a d'autres espèces animales que nous laissons agoniser, parce que nous sommes un hyperprédateur. Et la seconde particularité de l'humain, c'est aussi d'être extrêmement empathique. Nous sommes capables du meilleur envers celui que nous reconnaissons comme notre prochain. Nous le protégeons, nous le sauvons, et nous sommes en même temps un hyperprédateur. Et cette tension entre un caractère de destruction et un caractère de coopération fait de nous un animal vraiment exceptionnel, capable de changer aujourd'hui jusqu'au climat planétaire. Pour préparer un livre aussi ample dans son sujet, je me suis appuyé sur les travaux des historiens anglo-saxons. Depuis une douzaine d'années, en tant que journaliste, je m'emploie à vulgariser les acquis de la World History, qui est une façon d'appréhender l'histoire à l'échelle globale, mondiale. Alors, je distingue en français une histoire globale et une histoire mondiale. Une histoire mondiale, c'est un champ d'études qui englobe la planète entière, et une histoire globale, c'est une méthode d'analyse. Parce que cette histoire, finalement, que j'ai choisi de faire commencer jusqu'aux premiers humains, c'est 3 millions d'années sur la Terre entière. Et effectivement, ça ne tient pas dans un livre, même s'il fait 500 pages. L'idée était d'en donner plusieurs scènes,
à des moments déterminés en m'appuyant sur des travaux de seconde main déjà réalisés par nombre d'historiens anglo-saxons, par exemple John McNeill ou Brian Fagan ou d'autres, qui ont essayé d'avoir des regards d'ensemble en lisant les œuvres de leurs collègues et en choisissant, comme moi, de mettre l'accent sur certains moments clés de l'histoire. Donc, ce n'est pas un livre exhaustif, c'est une façon de raconter le film de nos origines jusqu'à nos jours avec, en mettant des coups de projecteur sur certains moments clés de cette histoire. C'est pourquoi j'ai choisi de parler beaucoup des éléphants. J'aurais pu choisir de parler des loups tout autant, mais voilà, ça, il a fallu choisir des acteurs pour incarner cette histoire et il y a des moments clés qui sont explorés, d'autres qui ne le sont pas. Il reste encore beaucoup de place pour d'autres histoires environnementales à venir. Quelque part, notre histoire s'est jouée aussi par les hasards environnementaux. Et il faut rappeler que dans le passé, des sociétés ont été confrontées à des cataclysmes extrêmement violents, que certaines s'en sont sorties et que d'autres ont dû complètement changer de trajectoire, que l'histoire n'était jamais écrite. Et aujourd'hui que nous sommes à la veille d'un bouleversement environnemental qui est probablement sans précédent dans l'histoire, en sachant qu'également on a des moyens de connaître les processus à l'œuvre et d'impacter sur eux d'une façon qui n'a pas de précédent dans l'histoire, il importe quand même de regarder le passé et d'essayer d'en tirer des leçons. Voilà. De ne pas rester dans la démesure du « le progrès technique remédiera à tout », parce que dans le passé, d'autres ont pensé ça, et malheureusement, les trajectoires de l'humanité ont été très diverses.